Allô, allô? Nous sommes... je suis... Non, il n'est pas là. Donc, je suis à Forgassou, dessus. Et donc, c'est au-dessus de Saint-Jean-de-Sixte, tout près du Grand Bornand, en Haute-Savoie. Et je vais faire un petit tour. Ben ouais, Muriel, elle est restée à la maison. Elle n'était pas trop bien. Et donc, moi, je veux profiter de ce beau temps, là. Il fait trop beau. Et donc, je vais vous faire profiter aussi, si vous voulez. Allez, c'est parti, go! Alors, on est sur la face du mont Lacha qui donne sur les Aravis. C'est très beau. Déjà, rien qu'en commencement, on a une belle vue, c'est superbe. Ah, regardez ça, si c'est beau déjà. Avec vue en plein sur les Aravis, c'est très très joli. Voilà. Donc la zone là, c'est... Ça c'est la zone pour aller au Suez, qui est là-haut. Vous arrivez à le voir, ce petit coquin. Mignon, non? Il y en a même deux. Ouais, petit désert. Ah, après ce petit intermède espagnol, qui était bien sympa, retrouver les belles montagnes de notre région avec les odeurs. C'est trop chouette. Qu'est-ce que ça fait du bien, qu'est-ce que ça fait plaisir. Alors après cette lourde montée, difficile montée, nous voici dans un replat très joli dans les sous-bois, c'est beau. Ça sent bon la mousse. Ah, c'est chouette. Ça fait vraiment du bien. C'est vraiment cool. Ah, c'est dur, ça grimpe. C'est vraiment raide. Ah, ce petit bout là, il est interminable. Ça tire. Oh, cet alignement d'arbres. Voilà, on arrive. Gentiment et sûrement au Cerisset à 1300. On est démarré au parking, c'était à 1000 mètres. Donc voilà, on a fait déjà 350 mètres de dénivelé. Bien. Voilà. Et nous voici arrivés au Sapèze. Joli petit recoin. Bien sympa. Apprécier cette belle vue sur les Aravis. Tellement paisible. Petit chalet d'alpage avec une vue magnifique. C'est un vraiment très très bel endroit. Il y avait un petit peu d'eau un peu trop loin, donc c'est cool.
Voilà, on a entamé la descente. Toujours des points de vue magnifiques. Là-bas, c'est Thônes en bas. Et là, donc, on est à Le Mont, à 1250 mètres. Et les Aravis là-bas derrière. Là, on descend, c'est raide. C'est par là. Petite vierge sur le beau chalet. Ils sont beaux ces chalets, c'est sympa. Bah cool, une source, on va se ravitailler, ça c'est chouette. Et voilà, de l'eau à flot, trop bien. Là on est reparti sur la montée et dans les bois et ça grimpe encore et encore. Il y a vraiment des magnifiques chalets. Oh, celui-là il est beau. On en met l'un à côté de l'autre. Au-dessus. Mais c'est raide. Mais quel chemin. Avec une vue pareille. C'est beau. Des jolis dégagements. Il y a des jolis petits soleils. Ouais, c'est un beau coin. Hein. Il n'y a pas à dire. Là, on arrive aux Frassettes. Là aussi, une petite source. Voilà, c'est vraiment un petit coin. Il y a de l'eau tout le temps. Donc c'est chouette. Encore un superbe chalet. Alors vraiment, il y a vraiment des belles bêtes là. Et voilà, la boucle est bouclée. Plus qu'à descendre maintenant. C'est raide ce chemin. Puis c'est vraiment caillasse sur une espèce de piste comme ça, très raide. Ça roule. Faut faire attention de ne pas se casser la figure, on part en arrière. Voilà, bien se pencher en avant. C'est parti. Allez pour les derniers mètres. Profiter pour acheter un beau robuchon dans la ferme là-bas. Et puis voilà, c'est fini maintenant. Voilà, on arrive au bout. Ça c'est un petit peu couvert, dommage, mais c'était joli. Donc voilà, j'ai fait quoi, 7 kills pour 550 de dénivelé. Jolie petite balade. Ça fait du bien de reprendre et puis ouais, tout. Retour à la montagne de chez nous, c'est trop bien. Voilà. À très bientôt, puis la prochaine fois, j'espère que Muriel sera là. Au revoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as aimé, n'oublie pas de nous encourager en cliquant sur le pouce. Et surtout, abonne-toi pour être averti de nouvelles vidéos. À très bientôt pour de nouvelles randos.